Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, encore une fois, bah, vous le découvrez. Derrière vous, je suis. Derrière moi, pardon. Derrière vous, forcément, il n'y a rien. Mais derrière moi, vous découvrez que je suis toujours chez les amis de la brique. Pourquoi? Bah, c'est le moment de l'épisode 2 du round 2 concernant le concept qui construira le plus vite. Pardon, c'est la fin de journée, je bégaye. Et aujourd'hui, on continue sur ce set-là, et bah Olivier, il pleurait un petit peu, il chouinait. Du coup, on a choisi un set plus simple, parce qu'on part sur le petit canard, hein, à l'hommage à la Lego House, un des tout premiers jouets créés par Ole Kirk Christensen, je crois que je l'ai bien dit. Et donc du coup, on a pris ça, c'est un petit peu plus simple que la Lego House en soi, puisque la Lego House, vraiment, c'était avec des pièces beaucoup plus petites, et là, pour le coup, on est sur un truc un peu plus facile, on va dire un truc à la portée d'Olivier, au final. Et du coup, ben, on va bientôt... T'es pas gentil. Mais... Non, je veux pas, tu m'as pas appelé. Mais je vous appelle, je ne vous appellerai pas, monsieur. Ah. Vous pouvez rester où vous êtes. Voilà, du coup, les copains, on se retrouve aujourd'hui, round 2. Ben, c'est quasiment parti. Ça y est, il boude, il pleure. Bon, bon, allez-y, allez-y. Faites ici, ici. Ouais. Ça va? Non, t'as toujours un gros cul. Bonjour. Ah oui, bah, j'ai pas maigri depuis il y a 5 minutes. Hein. On est quand même assis sur la petite table sur laquelle je bosse. Hein. Ouais. Mais ça marche bien, je trouve ça, c'est pas mal. Bon, tant que la table elle traque pas, donc c'est le principal. Quoi. Ouais, c'est du costaud apparemment. Ouais, c'est pas du Ikea, hein, je vous le dis. Hein. Du coup, on se retrouve, vous allez découvrir juste dans quelques secondes maintenant la partie numéro 2 et on va voir hein, qui va gagner cette manche numéro 2. A tout de suite. Tout de suite. Êtes-vous prêt, monsieur? Je suis prêt. 3, 2, 1, partez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bon. Oui. J'ai du mal à commencer. J'ai du mal à commencer. Ouais, j'ai du mal à commencer. C'est juste un canard. J'ai confondu les couleurs. C'est juste un canard. Ouais. Ah bah faire du Lego quand on est daltonien c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais. Alors, ça commence. On dirait une palette hein. Ouais, c'est carrément. Ça ressemble plus à un début de palette qu'un canard. Hein. Ouais, je pense que ça que c'est ça. C'est pas un canard en fait, c'est une palette. C'est une palette. Une palette à la diable. Palette de tout le diable. Je vais être un peu plus soft hein, aujourd'hui. Un petit peu plus soft. Faut lui laisser sa chance quand même. Au petit. Ouais, je... faut pas non plus trop abuser quoi. C'est pas. Ouais, je suis pas très nerveux là en plus. C'est pas. Le canard c'est sachet 3, monsieur. Non. Voilà. C'est même pas sachet 3. Non, mais c'est même pas cette page là en plus. Vous êtes trompé, monsieur. C'est cette page là. Casse-coupe, tu vois, quand même. Hein. Vous notez quand même qu'il est vraiment casse-bonbon, hein, le mec. Mais ça va aller, vous allez voir. Déjà, j'arrive même pas à voir les pièces qu'il faut là. C'est une tile. Une tile 1 sur 4. 1 sur 3. C'est pas une tile. C'est une tile. Non, pas du tout. Si, une tile. C'est une plate. Non, c'est une tile. C'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est 12, c'est 9, c'est lavé avec Myriam. Ouais. C'est la lessive Homo qui lave plus blanc que blanc. Ouais, bah du coup c'est transparent du coup. C'est du Lego White Spirit. Ouais, il va recommencer à emboîter des trucs. Mais sinon ça se passe comment là sur votre construction? Bah ça se passe bof, pas trop mal. Parce que j'ai l'impression que vos briques elles glissent là. On dirait que vous avez du WD-40 dans les mains ou... Ouais, je sais pas, c'est de la nervosité on a fait ça. Ah bon? Oui. Que vous êtes nerveux là? Un peu, ouais. Vous êtes au max de votre vitesse là, monsieur? Non, là je suis plutôt fatigué. C'est fin de journée? Ouais, fin de journée, c'est pas le meilleur moment pour tourner ce genre de truc, mais... Début de semaine quand même. Début de semaine, ouais. Après des vacances en plus. Après des vacances en plus, qui plus est. Sinon c'est pas... C'est pas marrant, c'est... Elle est jolie la Lego House en réalité, hein. Ce qu'on a fait round 1, c'était plutôt pas mal. Hein. Pour un petit set promotionnel, plutôt cool. Hein. Franchement, ils ont bien bossé. Hein. Bon par contre, faut me laisser le bouquin quand même, sinon... Hein, c'est okay. C'est quand même compliqué de faire un Lego sans la notice. Enfin, je dis pas rien. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, Christian. Exactement. Mais bon, tout est relatif. Sachez-le.
relativement chiant, hein, ça fait rire, tout ça. Oui. Mais il est joli aussi, ça va, il est pas mal. C'est un canard. Bah c'est un canard quoi, c'est... Ouais. C'est vert quoi. C'est... un canard. C'est un canard. Il flotte celui-là ? Je sais pas. Non. Faudra tester. Dans une prochaine vidéo peut-être. Vidéo test... Vidéo test flottaison. Flottaison du canard. Flotte-t-il ou flotte-t-il ou pas ? Un gros bec hein, pour un canard, hein. Pour le coup. Ouais, c'est. Putain de. Ouais, c'est, vrai qu'il... c'est un pélican le truc, hein, c'est. Ah, mais vous avez fini. Mais oui, presque. Vous avez fini. Presque la manche 2 est plus rapide. Enfin, plus rapide, ça, il faut le dire vite. On est à combien avec tout ça 4 minutes, monsieur, exactement. 4 minutes pour ça 4 minutes. Oh putain, je crois que j'ai vraiment fait du pourri là. Je pense que j'aurais pu faire mieux. J'avais dit, il y aura pas drone 2, il y aura pas drone 2, c'est pas possible. Round 3, pardon, round 3. Bah, s'il y aura pas, il y a pas de round 2, il y en a plus. Voilà. T'as déclaré forfait, c'est ça ? Non. Jamais déclaré forfait. Il faut quand même relever qu'ils ont mis pas mal de. De pièces en plus, ou alors c'est moi qui a. Non, t'as merdé, c'est tout, t'as merdé, ah. C'est pas. À mon avis. Il y a un truc qui va pas là. À mon avis, il y a un truc qui va pas. Ouais. Ah, il y a un socle encore après. J'ai pas compris. Ah putain, mais oui, il y a un socle en fait. La petite corde, hein, faut pas l'oublier, la petite corde. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est cette pièce là. Vous. Bah, tu peux me donner les plaques, s'il te plaît. Quelles plaques? Les plaques que t'as enlevées. Celle-là? Ouais. Ouais, t'es là. Du coup, je comprends pas, il y a une utilité des pièces. Là. Oups! Oh non! Qu'est-ce que t'as fait? 5 minutes hein. Je suis sûr j'avais des trucs plus utiles à faire dans ma vie. Non bah ça c'est sûr. Ah c'est... Ah mais ça c'est sûr. Bah après, tu peux rentrer chez toi, hein. Je t'ai dit pas à rester. Je t'ai pas forcé à rester, t'es même pas forcé à venir. Ah bon? C'est même pas bien construit monsieur, vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà, j'ai fini. Non, c'est pas, c'est pas ça. Non, elle est pas exacte. Donc tu peux pas l'arrêter. Regarde bien le sens. En plus, je lui file un coup de main, quoi, ce gars. Bah ah, si, c'est bon, pardon. Putain. J'ai rien dit. Bon, on comptera 10 secondes de moi. 5 minutes 45. Vous avez vu? C'est affiché au chrono, c'est pas moi. Et voilà, les amis, comme vous venez de voir, eh ben, ça y est, la première partie, elle est... La première partie est terminée, le petit canard je crois que ça arrange pas à son cerveau, malheureusement. Mais du coup, ben, vous allez découvrir la construction de l'autre et on va voir qui a réussi le challenge numéro 2 et voir s'il y aura du suspense pour éventuellement une partie 3. C'est parti. Moi aussi je m'assois alors. Hein. Bon bah je m'assois aussi du coup, hein, je fais comme toi. Tu te rappelles ce que tu me... à cette étape? C'est pas très gentil, hein. Vous êtes prêts, madame? Alors, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Par contre, c'est le plateau en premier. Oui, éventuellement, pourquoi pas, oui. Je peux faire le plateau, bien sûr. Bon, bah, je vais faire de la construction, hein. Je me rappelle que t'avais bien aimé faire des constructions, la première fois. Ouais, c'était sympa, hein. C'était sympa. C'est cool. J'avoue, j'ai bien aimé aussi. J'avoue que c'était cool. Ouais. C'était bien amusé quand même. Ah, tu fais le plateau du coup? Non, mais attends, parce que tu avais fait une blague en fait. Regarde, c'est là qu'il faut commencer. Ici. Étape 3, quoi. À l'étape 3, carrément. Ouais. Ouais, bah écoute. On va voir ça après. Bon, bah, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai fini le canard avant toi. Regarde, tu vois, ils sont plus tirés. Joli. Il est joli, hein. Non, mais attends, j'ai oublié de mettre la laisse. En fait, je veux bien le. Là, ça? Non. Ah, mais t'étais trompé de page, t'as pas fait le bon. Il m'a pas épargné, là, pour le coup. Hein. Bah, écoute, hein. Non, et franchement, je trouve que je suis gentil. Ah bon? Oui. Ça, c'est de la gentillesse? Bon, carrément, hein. Oh! D'accord. C'est limite des caresses. Goethe, si vous le dites. Goethe. Ah, tu deviens alsacien, hein.
Bah écoute, à force de traîner avec les mauvaises personnes, forcément, ça aide pas quelque part. On dirait qu'il est obligé de rester, quoi. Non, mais le problème, c'est que les Alsaciens, c'est triste, quoi. Ils sont gentils, quoi, mais... C'est quand même triste d'avoir des gens qui... C'est comme dans le Nord, quoi, faut choisir les bons, c'est tout. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous plaît, cette petite animation. On est gentil, hein, franchement, on est light, on fait ça bien. Hein. Ouais, ça va, ça. C'est... T'as perdu le plateau? C'est soft, c'est... C'est mignon. C'est mignon. C'est mignonime. Oh, on n'est pas des vilains. Non. On est des gentils. Oui. Ah, ma foi. Ma foi, Jean-Luc... T'as presque fini, hein, en fait. Déjà? Oh ouais, ouais. Et t'as fallu 5 minutes pour faire cette merde? Bah oui. Ah mais toi t'as vu comment ça marchait, c'est ça le truc? J'ai même pas regardé, vraiment. T'as pu voir ce que j'ai fait, du coup t'as facilité la tâche. Non, même pas, c'est que... Non mais je suis nul alors, ok, j'ai compris, c'est ce que tu veux dire, hein, de toute façon. Bah, pas un petit peu, mais Pénible, hein, ce garçon, pénible. Visage du canard. Canard. Ah, puis pour bien faire une chose, c'est bon. Écoute, je t'aide, je te fais déjà l'aile. Parce que tu vois, toi, tu m'avais même pas aidé à faire des trucs. Moi, j'aide à faire l'aile déjà. Tu vois, déjà un truc en mon affaire. Un peu n'importe comment, quand même. Non. Si, elle est redesignée, on va dire. Non, faut le dire, c'est quand même un peu dégueulasse ce que vous avez fait, monsieur. Vous vous rappelez de cette époque? C'était la belle époque, le round 1. Le fameux round 1 où j'ai presque gagné de 1 minute, mais j'ai quand même perdu. Bah en fait, faut laisser de l'espoir, quoi. Oui, parce que comme on dit, l'espoir fait vivre. Oui, bien sûr. Et vive l'espoir. L'espoir fait vivre et vive l'espoir, effectivement. Bah faut, c'est pas trop mal, hein. Non mais là on va pas s'en sortir, Jean-Jacques. J'ai fait un obélisque. Avec astérisme. Astérisme. Et péril. Astérisme et péril. Astérisme et péril. Ouais. C'est beau, hein. Quel bel tour. Ouais. Attends, un petit massage, hein, parce que au premier round j'ai déjà dû le masser. Il est plus dans les bonnes dispositions quand il est bien massé. Ah. Hein. Et quand même il se plaint. Ailleurs on paye pour se faire masser. Là c'est gratos. Gratos. Ah oui, ah ouais, comme ça, ouais. C'est un massage chinois, ça. Ah ouais, ailleurs c'est payant, hein. Là je devrais au moins, à la fin du round, je devrais lui demander au moins 15 balles. Pardon madame. Alors il y aura des petites retouches micro à faire, hein, parce que je viens juste de défoncer les lumières. Mais tout va bien, hein. C'est que le son. Vous y arrivez? Ça, c'est très bête. Ça, c'est l'histoire de la chaise, tu vois. Fallait pas la mettre, la chaise, je savais. Oui, ben. Je savais qu'il fallait pas la mettre, la chaise. Si tu sais pas t'asseoir sur une chaise, c'est pas mon problème, quand même. Ah merde, je crois que j'ai quitté sans faire exprès. Non, mais tu peux remettre. Hein. Comment? Bah, tu cherches. Tu démerdes. Je cherche, trouve. Ah. Oui. Tu cherches, trouve. Bon, bah, tant pis, écoute, tu cherches, tu feras 3, toi. 3? Mais je sais même pas comment elle marche, ta montre. Non mais je peux pas vous aider, monsieur, comprenez bien que j'ai quand même en forte disposition pour vous démerder un minimum, quoi. Ouais, mais si t'avais pas une montre tellement compliquée aussi. Mais je crois que je l'ai enlevée, hein. Non, en fait, il suffit juste de retourner dans le menu, monsieur. Mais tu fais comment pour aller dans le menu? Bah ça... Ah, c'est bon, chronomètre. Oh, 5 minutes 39, j'étais à combien, moi? 5,45, je crois. Ah bah moi je vais ranger mes pièces pendant ce temps qu'ils sont tombés, mon cher monsieur. Parce qu'en fait la chaise là, voilà, cette fameuse chaise, eh ben elle fait chier. Ah là là. Ah là 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 là. Allez mon bon monsieur, allez. Dépêchez-vous. Oh, putain, je fais vraiment de la merde, quoi. Alors les booms, faudra les couper au montage, hein. Allez, dépêchez-vous. Vite. Ah.
Ah, il a vraiment tout cassé. Bon, les amis, je vous avoue, c'est une vidéo qui va me coûter très cher. Entre la lumière que je viens de bousiller, le son dégueulasse parce que j'ai tout défoncé. Bon, notez quand même que je m'occupe plus de lui, hein. Donc ce qu'il perd, c'est entièrement de sa faute. En tout cas, ça sent quand même méchamment le round 3. Fini. Ah bah ça va. Plus d'une minute de plus pour un truc de merde que soi-disant on construisait facilement, n'est-ce pas? Mais c'était facile. C'est vous qui avez bousillé ma montre, vous avez rajouté 2 minutes au compteur, monsieur. Oui, ça devrait être ça. Oui. Bah il veut plus parler sur sa chaîne, alors du coup je prends la relève. Bah en fait, comme vous pouvez le constater, il y aura certainement un round 2-3, vu que j'ai réussi à le faire plus vite, mais faut avouer qu'il est vraiment simple et que je l'ai un peu, bah j'ai fait mon job, hein, je me suis vengé, il était pas gentil la première fois, j'ai dit je me venge. Bah oui, mais en même temps, on lui a fait une construction pour les enfants de 4 ans, alors oui. Et bah c'était mon niveau, très bien. Coin, 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 en plus il... Coin, 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 coin. Oui, il roule, le canard il roule, si vous me posez la question. Il roule. Voilà, regardez, sur les crânes d'œufs, il roule. Ça roule très bien. Voilà. Bon, du coup, on va se retrouver pour le round 3. Sur ma chaîne, du coup. Dans quelques jours. Ouais, on verra. Peut-être dans une petite semaine, on... Faut avoir. Si je décide. Si là... Enfin, j'ai quand même peur. Là, au moins, je reste pas sur un échec. Faudrait pas faire de round 3, en fait. Tu veux pas de round 3, on va sur un truc d'égalité. T'es suisse, toi, ou ça marche comment? Ils ont qu'à dire dans les commentaires ce qu'ils veulent. Ouais, bah dites-nous en commentaire, est-ce que vous voulez en découdre ou pas? Dites-nous, si vous voulez qu'on fasse un round 3, allez-y, mettez-le en commentaire. Sinon, on en reste là et on changera le challenge pour la prochaine fois et on fera autre chose. Ça vous va? De toute façon, on fera autre chose, quoi qu'il en soit, j'ai d'autres petits challenges de prévu, voilà. Oui, bah j'en dis pas plus. Je compte pas rester toute ma vie ici, quoi, tu vois, c'est... Ah, t'es sûr, tu veux pas... Bah, tu reviens, tu vas travailler une semaine chez toi et tu reviens. Ouais, t'as cru que c'était la garde alternée en fait. Oui, une semaine sur deux, tu viens chez moi. D'accord. Bon. Bah, ouais. Garde alternée entre l'Alsace et le Nord. Voilà. J'avais un autre plan de carrière hein, dans ma vie que ça au départ, mais ouais. On va bien voir ça. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, en suggestion juste au-dessus, d'aller voir la partie 1 si c'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore découverte. Ensuite vous découvrirez forcément, on va voir s'il y aura une partie 3, on verra selon votre avis. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À bientôt les amis, ciao.